Ouais, tu te doutes bien de ce qu'on va faire. Pas même au cas, on va tester une clé à choc. Pas mal. Clé à choc. Ishika 18 volts. Maxi 350 newtons. Oh, je te montrerai ça après vite fait, on me l'a envoyé pour tester. Ouais, je viens de faire entrer une machine à pneus. Alors ça, non, ça c'est sponsorisé avec ma carte bleue. Hein. La machine là, c'est ma carte bleue qui sponsorise. Bon, par contre, la petite clé à choc, on me l'a donnée. Ça faisait l'occasion avec, pour les machines. Bon, alors, premier truc. Machine toute neuve qui vient d'être livrée ce matin. Et forcément, on commence déjà à l'essayer. Hein, on va commencer par le prix. Bah oui, parce que je me doute bien que ce qui t'intéresse, c'est surtout le prix. Donc la machine complète livrée, avec la livraison, 995 euros. Bon, tiens, là, on va se faire déjà le démontage du pneu du Jeep. Et on va monter le neuf dessus. Donc là, je fais un changement de jante plus un changement de pneu. Alors pour ceux qui se demandent, oui, j'ai déjà démonté des pneus. Je les valve. Tiens, pour les pneus, je vais t'apprendre quelque chose. Pour les monter, tu as deux solutions. Soit tu as une flèche dessinée dessus,
pour donner le sens de rotation. Donc il te faut le monter suivant le sens de la jante où tu la montes, de quel côté, droite, gauche. Et sinon, tu as écrit inside et outside. Outside, c'est pour l'extérieur. Donc là, sur cela de pneu, j'ai marqué outside. Donc ils vont à l'extérieur. Par contre, là, tu as sur les pneus, tu as cette petite pastille jaune. Tu sais à quoi ça sert, ça? Outside, c'est marqué où là, donc c'est bon. Allez. Hop. Là, le petit sigle en face de la valve. Faut faire coller le pneu. Alors tu vois là, la jante elle est pincée. Il y en a qui gonflent directement les pneus. Il faut pas les gonfler maintenant. Il faut d'abord desserrer les griffes de la jante. Pourquoi il faut desserrer? Parce que si tu veux, c'est une contrainte. Et quand on va gonfler le pneu, avec tac, tu sais, ça va gonfler comme ça. Donc forcément, c'est la merde. Bon, bref. Ah, j'aime bien quand ça fait ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pneus, ils sont trop en bas comme ça, puis ils collent pas au flanc intérieur. Donc ça fait qu'on ne peut pas gonfler. Donc je te montre une technique pour les gonfler. Bon, tout le monde la connaît, mais bon. Ouais, j'ai pas d'équilibreuse. Donc, j'ai regardé 2-3 trucs qui existaient. Fab B. On a déjà fait la démonstration et apparemment ça allait bien. Tu vois, c'est des petites billes pour équilibrer les pneus. Tu as un QR code à scanner sur le bourrico. Ça me donne ça. J'ai plus qu'à rentrer ma taille. 235-75-15. Tu vois, ça me donne ce que je dois mettre dedans. C'est-à-dire un pot comme ça. Je te ferai le retour de ce que j'en pense de ces petites billes d'équilibrage. On monte ça sur le Jeep. Hop, alors, ouais, alors par contre, je te le dis d'entrée, c'est pas donné. Alors moi, c'est pas sponsorisé, hein. J'ai payé de ma poche. Hop, ça s'appelle Magnum Plus. Bon, je te mettrai des liens de toute façon si ça t'intéresse. Ben là, il y en a pour 100 balles quand même. Hein. Donc bon, on va te dire comment on fait pour mettre les billes là-dedans. Regarde. Alors, il faut écarter et tu jettes tes billes là-dedans. Et il faut faire gaffe que tu n'en aies pas sur les talons des conspirants du pneu. Et maintenant, ça permet de tester. Bon, maintenant, tu as vu, le pneu, il colle pas. Je te montre. Tu vois, quand ça fait ça, ça gonfle pas. Donc moi, c'est canon. Et basta. Et roule. Hop, ça. Hop là.
un petit coup de canon et en même temps tu gonfles. Du coup, petit entracte, je vais te parler vite fait de la petite Ishiko. Bon, elle fait 350 newtons. Elle est fournie avec une batterie, 4 ampères. Par contre, ça, elles sont bien. Tu vois, c'est des vraies douilles à choc. Comparé à celles-là qui sont en alu. Tiens. Déjà ça c'est pas mal. Il file aussi un petit adaptateur. Hop, 3/8. Charge de batterie, machin. Franchement, tu veux que je te dise ce que j'en pense? J'ai la Milwaukee en 400 newtons. Ça vaut 119 €. Ça. Alors livré ou pas livré, je sais pas. Bon, de toute façon, je te mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo si tu veux aller voir. Je préfère ma Milwaukee, hein, ça c'est sûr. Beaucoup moins lourde la Milwaukee, et puis voilà. Bon, maintenant avec quoi on peut le comparer? On peut le comparer avec la petite Parkside. Tu vois ce que je veux dire, en 400 newtons. Bon, tu es mon avis réel? Moi je te l'ai déjà dit, hein. Ça on me l'a envoyé gratos pour que je le regarde et ce que j'en pense. Achète la Lidl en 400 newtons. Ça vaut moins cher, et c'est la même puissance. À quelque chose près. Bon, après je sais pas ce qu'il fournit dans la Lidl. Voilà. Après, c'est correct. Fourni avec une petite valise, machin, c'est correct. Voilà ce que j'en pense. Bon, je vais quand même te parler aussi de la petite machine. Parce que bon, c'est pas la première fois que je monte des pneus avec des machines. Mais la première fois avec un truc... à 900 balles, enfin 995 livrés. Écoute, pour moi ça fait le job pour l'instant. Monter 4 pneus, et puis basta. Tu vois, j'avais un changement de 2 pneus neufs et de 4 jantes à monter sur mon Jeep. Donc ça s'est bien passé. Écoute, pour une machine à 1000 balles, c'est correct. Bon, maintenant, tu vas me dire pourquoi j'ai acheté ça. Je t'explique. J'ai 4 pneus neufs à monter sur la BMW. J'avais 2 pneus plus 4 jantes à monter sur mon Jeep. J'ai encore 4 autres pneus à monter sur mon autre Jeep. Et j'ai encore 4 pneus à monter sur le Pink Goose Go Air qui va arriver. Si tu fais le total de tout ça, c'est-à-dire... Ouais, on va faire un compte rond. Hein. Normalement, on est entre 75 et 80 € le montage et l'équilibrage. En gros. Donc on va faire un compte rond, 100 balles, pour le montage et l'équilibrage. En gros, oui, on n'est pas à 20 balles près. Hein. Voilà. J'ai le Jeep à faire, mon autre Jeep à faire, le Pink's Goer et le... quoi s'appelle ? La BMW, ça fait 4. Donc ça fait 400 balles. Allez, on va dire qu'on enlève... voilà, on va dire qu'on est à 350 balles. Voilà. J'ai 350 € de montage. Et la machine m'a déjà coûté 980... Elle m'a coûté 1000 balles, la machine. Donc ça fait que déjà, elle m'est revenue qu'à 700 €. Bah oui, puisque j'ai économisé sur le montage et l'équilibrage. Elle m'est revenue qu'à 700 €. Et là, bon, sur un an, elle est rentabilisée pour moi, la machine. Dans un an, j'ai fini de monter mes pneus, machin et tout, et elle est rentabilisée. Et fini. La machine est payée. Et après... tous les montages que je fais, ben c'est des sous que je vais gagner. Et dis-moi là en commentaire si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne cette machine, s'il te faut pas un tuto de fou mais une explication ou deux, voilà. Au moins ça pourrait te permettre peut-être si tu en achètes une de faire ton montage toi-même. Bon, il faut pas que j'oublie aussi de te faire le retour sur les petites billes d'équilibrage que je mets dans les pneus. Ça comment je vais faire? Bon ben je sais pas. Soit je te mettrai un post sur Instagram ou soit sur Facebook. De toute façon si tu me suis pas, ils sont dans le descriptif de la vidéo, tout à fait en bas, tu cliques, tu me trouves. Voilà.
Ah oui, tiens, je vais te montrer le Jeep maintenant avec les nouvelles jantes. Parce que bon, les pneus, on s'en fout. Mais les jantes, elles claquent, tu vas voir. T'as vu? Il est chouette comme ça le Jeep, hein, avec les nouvelles jantes. Hein. Siglé Jeep en plus dessus, je te montre ça vite fait après. Là, je le trouve beaucoup plus joli qu'avec les anciennes jantes. Je te mettrai une photo vite fait, comme ça là. Hop là! Faut te montrer avant. Bon, ben voilà quoi ressemblent les jantes. Et avec le sigle Jeep dessus. Voilà. Bah alors, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en penses pour la machine. Et si tu veux des vidéos sur la machine à pneus. Hein. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin, hein, de toute façon. Voilà quoi. Bon, allez, je te dis à la prochaine.